Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout va bien. Alors notre Tour de France a commencé, ça y est. On est parti le 30 mai. Et donc on s'est fait déposer par des potes au Aïko. 29 au soir, ouais. On est pas bien là? On a fait la fête le 29 au soir, on a bu pas mal de bières, ce qui n'était pas forcément une bonne idée avant le grand départ. Ouais, pour le lendemain, ouais. On a bien bouillé le lendemain dans les montées, mais bon, on y est arrivé en 3 jours au lieu de 5. Ouais, 3 jours au lieu de 5. On a donné tout ce qu'on avait. Forcément. Résultat, on a eu une insolation pendant 2 jours. Alors, on a commencé du col du Aïko, on est descendu jusqu'au col des Bagenelles. Et là, je suis crevé. Ah putain. On vient de là en bas, dans le creux là. On voit pas trop, mais ouais, on était là, on est allé là. Et on est remonté ça. Avec Théma. Ce genre de sac à dos. 22 kilos, je crois. Non, il était à 22 kilos avec la bière, mais j'ai plus la bière. Bon, nous avons effectué la première montée. La première grosse montée. Hardcore. Facile à faire. Hardcore. Super facile. Elle est trop forte. Du coup, là, il y a du plat. Il y a du plat, c'est classe. Ça fait plaisir. Ouais, tant mieux. J'ai transpiré 8 litres. Il a un lac dans le nombril. Ensuite, on est remonté jusqu'au col de Sainte-Marie. On a dormi à la QD. On est bien, mais il fait froid. C'est magnifique. On a rencontré un fermier génial qui nous a accueillis sur son terrain. Il a vu à quel point on était en détresse et il nous a même donné de l'eau. Alors, premier spot de camping, juste là, on était dans un col et du coup on est descendu et là je sais pas si on voit derrière, il y a une petite ferme, un éleveur de chèvres et de vaches. On lui allait... Munstercast. On allait lui demander un peu d'eau et je lui ai demandé s'il y avait un endroit où poser la tente et finalement il a dit qu'on pouvait se poser sur son terrain, donc c'est cool parce qu'il n'y avait pas trop d'endroits... à proximité et puis on commence à être un peu fatigué. Moi je suis très fatigué. Moi aussi je suis épuisé. Du coup là on va aller chercher de l'eau chez le monsieur qui nous a laissé dormir chez lui. Et on va se motiver. On a de la compagnie. C'est à Elora. Ça c'est une tente, c'est pour que les humains dorment dedans. Allez. Allez, bouge. Allez, allez. Et ça décale. Euh,
Ensuite, on a continué vers le Climont. Deuxième jour de randonnée. Laura est partie par là-bas pour essayer de trouver un spot pour se poser. Sinon moi je devrais aller par là-bas tout à l'heure pour aller chercher de l'eau, j'espère qu'on va trouver. On est posé enfin, le spot du deuxième soir, au calme. Il y a la route juste à côté mais bon, en fait on n'était pas loin là-bas, en train de galérer, il nous fallait de l'eau. Et du coup je suis allé voir, il y a des maisons là-bas. J'ai demandé à un mec si je pouvais prendre de l'eau, il m'a dit oui oui pas de souci. Il nous a même filé des bouteilles d'eau quoi. Et du coup ici c'est à quelqu'un mais qui vit pas là, là tout le temps. On va se poser dans le jardin et on va même faire la petite lessive. C'est la lessive à l'ancienne hein. Voilà. Et alors ce monsieur super sympa, il nous a filé des radis. Alors, c'est la cinquième fois que cette chaussette tombe. On a des radis. Ce genre de petite soupe. La minestrone. Ah, ça réchauffe. Ensuite au Climont, on est allé jusqu'à Salles. Et de Salles à la Bonne Fontaine. Troisième jour de rando, on est parti un peu tard, là je crois qu'il est 11h30. Ouais. Il nous reste une journée de marche pour arriver à notre premier woofing. On est censé arriver dans 4 jours et on n'a pas de réseau. Bon, là on va dans un petit village qui a une petite heure de marche. On va essayer de les appeler, voir s'il y a moyen de venir en avance. Sinon, en plus il y a des orages de prévu. On est à 3 heures de chez eux, on est censé arriver dans 4 jours. Ils répondent pas au téléphone. Arrivé à Salles avec 2 jours d'avance, on a essayé de contacter les gens chez qui on devait aller. Donc, ils ne répondaient pas au téléphone. Le téléphone est cassé en fait, mais on ne le savait pas. On a pris un petit apéro à Salles, on s'est reposé un petit peu parce qu'on était très fatigués après cette longue randonnée. En plein soleil, abusé. Et puis on a décidé de prendre nos affaires et de se pointer là-bas. On s'est dit quitte à ce qu'il y ait trop de monde, qu'on dorme dans la tente quand même ce soir-là, ou qu'ils nous donnent au moins de l'eau. Enfin, ouais. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, donc on y allait. Du coup, on est arrivé, on a croisé Franck sur la route. Donc Franck, c'est un des permanents de la ferme. Donc on lui a expliqué qu'on était des woofers et qu'on avait quelques jours d'avance. 3 jours, ouais, du coup. Ouais. Et donc il nous a fait visiter la ferme. Et heureusement qu'on l'a croisé à ce moment-là, parce qu'en fait, lui, il partait. Et en arrivant à la ferme, il n'y avait personne en fait. Donc si ouais. On était arrivé 5 minutes après, on n'aurait croisé personne. Ouais, on n'aurait pas trouvé. Ouais. Et on aurait été tout seul à la ferme, on n'aurait rien compris. Ouais, c'est cool, on s'est vraiment croisé pile au bon moment quoi. Voilà. Et donc on s'est installé, tout s'est bien passé, on a rencontré tout le monde. Très bon accueil. Et voilà, on y est. Au collectif à l'envers. Donc juste là-bas, il y a les chèvres. Thank you.
Et la maison est là. Voilà, on va s'installer et puis on vous fera des vidéos sur nos activités, ce qu'on fait un peu. Après, je pense pas qu'on aura énormément le temps de faire des vidéos, en fait, le temps passe vite, les journées passent vite, on verra, on tiendra au courant. A plus !